Yo, ça vous dit aujourd'hui on part en Italie, on va faire quelques headshots? Ok, bah on est parti sur Sniper Elite 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et bah lorsque j'appuie sur la carte, on peut voir qu'il faut que j'aille tuer des officiers. Et je trouverai aussi peut-être des documents utiles. Ici, tuer le général, tuer des officiers, tuer des officiers. Je suis au début du jeu. On commence ici, et ensuite c'est le petit tuto qui nous explique comment s'accroupir, utiliser les armes. Le tuto n'est pas encore terminé parce que j'ai joué qu'une vingtaine de minutes. Et en haut à gauche, là vous le voyez pas parce qu'il y a ma grosse tête, mais il faut que j'aille tuer les officiers. Là, il y a un mec ici parce que j'ai déjà tué son pote auparavant. Je peux utiliser les jumelles, je vais le marquer. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que l'avion passe. Parce que lorsque l'avion passe, je vous le mets dans le mille. Les ennemis trépassent, vite, 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 vite! Et là, il y a le symbole en haut de l'avion. Et là, comme l'avion est passé, personne ne m'a détecté. Et l'avion tourne en rond, donc ça, c'est plutôt cool. Il devrait bientôt revenir. Faut également que je détruise des caméras. J'en ai déjà détruit une. Et ici, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je vais utiliser mes jumelles. Caisse de munitions, on va aller récupérer ça. Détruisez les caméras, il y a une caméra là-bas à détruire. Il y a une voiture. Attends, je vais zoomer. C'est un tracteur. Tout à l'heure, j'ai détruit une voiture en tirant derrière le réservoir et j'ai tué tout le monde. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, Sniper Elite 4, j'avais joué, je sais plus si c'était. Ouais, j'avais joué au 1. J'avais joué aux versions avec les zombies. J'avais pas joué au 3. Et je tiens juste à dire également qu'on peut jouer au jeu en version DirectX 12, sauf que je l'ai désactivé. Parce qu'on dirait qu'X12, moi ça pose quelques problèmes pour faire les lives et pour enregistrer. Mais graphiquement, ça change pas grand chose que je vais tenter de faire. Attends. Si je fais cette touche, je vais sélectionner mes cailloux. Tiens, regarde! Il y a un caillou là-bas! Il y a l'avion qui passe en même temps. Mince! Du coup, il va là-bas! Reviens! Quel idiot qui a lancé le caillou aussi loin aussi. On peut fouiller les cadavres pour récupérer de l'équipement ou alors les déplacer pour pas se faire opérer. Ce que je vais faire. On dirait que j'ai tout pris. Ouais, on dirait que j'ai tout pris. Tiens, mon pote. On va voir si je suis fort en lancer de cadavres. Jackpot! On va avoir les fesses au chaud. Des documents à ramasser. Je crois que c'est autre chose, ouais. Un petit sac. Trousse de soins, plus mine, plus munitions de fusil à pompe. J'ai tout ramassé, je peux ouvrir une boutique maintenant, une armurerie. Donc qu'est-ce qu'on va faire en premier? Moi j'irai bien ici. Est-ce que je peux le marquer? Ah je l'ai marqué, il y a le point d'interrogation là-bas. Je vais utiliser mes jumelles. On va voir ce que je peux faire. Je peux faire péter une bonbonne, mais vu que j'ai déjà tué deux ennemis ici. Ouais, il y a un gars là-bas. Regardez. Il y a une mouette. Il y a deux mouettes. Je sais pas si on va survivre là-bas. Tiens, on va tenter le pistolet à cette distance. Non, c'est pas une bonne idée. Sachant qu'ils sont deux. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les contourner. On va attendre que l'avion passe. Et on va. Ah ouais, lui, je l'avais tué déjà auparavant. Je me rappelle même plus. Je tue tellement de gens dans ma vie que maintenant, les cadavres sont sur ma route. Je ne fais plus attention. Donc il y a lui. Il y a un mec à droite. Il y a une voiture aussi. Caché, je suis un rocher. J'ai une idée, vite. Est-ce que là-bas... J'ai été calculé. Oh, par contre, il y a leur pote qui arrive. En bas, le radar est jaune, ça veut dire que je suis entendu, mais qu'ils ne savent pas où est ma position. Donc j'en profite pour me tirer de là. On va essayer d'avoir ouais, un peu d'auteur sur eux. Il y a plein d'ennemis. On est sur une petite île en Italie. Et il y a des ennemis un peu partout. Voilà. Bon là, ça rigole pas. Il y a un officier juste à côté. Il y a un gars là. Ce que je vais faire, c'est que je vais les marquer. Bon, je les marquer. Et on peut les écouter. Ouais, certains. On peut écouter leur discussion. Ah, j'ai marqué. Okay, j'ai marqué un mec à 200 mètres alors qu'il y en avait un. Bon. Ouais.
Bah c'est à l'avion. Vite. Tout se joue avec l'avion à chaque fois. Personne m'a entendu. Ah, y a lui qui va arriver. Ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à marquer tous les ennemis, histoire de pas me faire surprendre dans le coin. Ouais, y a lui. Que j'oublie pas aussi que j'ai mes petits cailloux. Non, reviens! Reviens! Parce que si je le tue, lui, lui, il va le voir. Il y a un caillou là-bas! Ah, was war das? Bon, le caillou, ça. Ça a l'air de le distraire pendant un petit moment quand même. Mais c'est lui là. Non, je suis caché! Trüb, da bewegt sich was! Ok. Il est parti où l'autre? Ouais. Discrètement. Bon, j'ai pas eu encore l'officier. Il doit être dans le bâtiment, en dessous. Peut-être. Non, ça me semble une mauvaise idée. Ah, j'ai vraiment envie de le tuer, lui, par contre. Désolé. C'est plus fort que moi. C'est pas moi. J'ai pas attendu l'avion. Désolé. J'arrive pas à me contrôler par moment. Faudrait qu'on essaie aussi les tirs dans les parties intimes. Y'a l'avion! Y'a l'avion! Y'a un mec. Où ça? Où ça? Et le carré? Enfin. Tu as rejoint ma liste de cibles. Adieu, Fritz. Ah, c'était lui qu'il fallait que je tue! T'as eu de la chance que je puisse pas tirer dans tes parties intimes parce que c'était le. Notre projet. Mais on l'a raté. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, vous pouvez viser de façon classique. Si on appuie sur espace, on coupe la respiration. Vous avez un petit indicateur qui apparaît à l'écran. Ce qui signifie. Ce qui vous montre l'endroit où la balle va atterrir. Et si. Attendez. Faut que j'attende de récupérer un peu mon souffle. Là, normalement, c'est bon, je peux le refaire. Et lorsque je suis plus loin, dans l'eau, vous voyez, le symbole est plus bas. Et donc, vous repérez avec ce petit indicateur pour tirer sur les ennemis au loin. Le tracteur! Oh, je peux tirer dans les pneus. Oh, je suis un enfoiré! Oh, je suis un enfoiré! Bon, et 2-1, on va s'occuper des autres. On fait quoi maintenant? On va se faire l'officier qui est le plus loin. Et au fur et à mesure, on va avancer jusqu'à arriver au boss de cette zone. On va s'occuper de l'officier qui est à 200 mètres. Et on a également une petite mitrailleuse. Et on peut choisir d'avoir des grenades et plein d'autres trucs. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup jouer avec le snipe. Ce qui serait pas mal, c'est que je puisse le tuer depuis ici, histoire de ne pas avoir besoin d'aller en bas. Attends, je vais prendre mes jumelles. Salut toi, t'es qui toi? C'est Anshan Laman. A marché sur une mine qui n'a pas explosé. Ce mec a eu de la chance, mais sa chance touche à sa fin. Il n'y a pas un autre mec par là, là? Non, ça c'est un lampadaire. Ah, il est là. Et lui, il a pas de casque. Déjà qu'avec un casque, ils ont peu de chance avec une balle de snipe. Convaincu qu'il va mourir ici. Ah. Bon, s'il est convaincu de ça... Attends, est-ce que c'est une caisse explosive, ça? Caisse explosive? Non! J'ai envie de tirer dans le zizi d'un mec! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! J'ai pas tué l'officier, mais... Je pense que... C'était pas très malin de faire ça. Je pense qu'il a dû avoir mal au parti. Pourquoi j'ai pas eu de bullet time? Je voulais qu'on lui voit que je lui éclate ses... Enfin, voilà.
Je te laisse vivre. Non, celui-là, c'est celui qui avait marché sur une mine. Et bah, il aurait survécu à une explosion et encore à autre chose. Et l'autre qui était convaincu de mourir, et bah, il est encore vivant. Voilà, moi, je m'en vais. Mon travail est terminé dans ce coin de la carte. Alors, notre prochain ennemi se situe dans cette zone. Tu as un officier. Ah, j'y trouverai peut-être des documents. Ah, attends! Je veux mes documents! Je veux mes documents! Finalement, mec, désolé, mais je suis de retour. Et ouais! Il savait qu'il allait mourir aujourd'hui. Bon. Tu n'auras pas souffert, tu me diras. Oh, l'aigle! Faut les détruire! J'en ai déjà détruit un. Ça, c'est de la discrétion. Personne ne sait que je suis là. Sauf toute la carte entière. J'allais sortir la mitrailleuse, mais on va tenter de faire des trucs un peu propres. C'est vrai que je tire pas mal avec le snipe, mais en même temps, c'est tellement jouissif. Enfin, jouissif, ça fait toujours bizarre comme terme, mais c'est excellent quand tu tires. L'effet bullet time. Donc. Il est énervé, lui. Va chercher! C'est un caillou! Hein? C'est un caillou? J'ai jamais vu ça de ma vie, un caillou! Qu'est-ce que c'est que. Oh! Oh. C'est pas évident de. On peut faire pareil que le sniper, viser de cette façon, mais ma sensibilité est trop faible, c'est pour ça que j'ai eu du mal un peu à viser sa tête. Après, si tu veux faire le gros bourrin, t'as vu, t'as des grenades et tout. Ah! L'avion! L'avion est de retour! Il est où? Je crois qu'il m'a vu. Je crois qu'il a un peu souffert. Mais juste un peu. Bon, il y a intérêt qu'il y ait des documents, quoi. Je suis pas venu ici pour rien. Allez, toi. Ah, le fameux document. Bordure d'expédition, appuyez sur entrée pour afficher l'objet ramassé. Chut, notre document. On est venu pour ça. On est venu pour ça. On est venu pour ça. Tiens, rien. Il y a un caillou. Un caillou. Il y a un caillou. Il y a un avion. Il y a un avion. Attends, attends, j'ai pas l'indication de l'avion. Pour rappel, je joue en difficulté normale. J'imagine, il était là mon caillou. Avec une difficulté plus élevée, les choses ne se passeraient pas aussi facilement. Je le tue ou pas lui? Non. Autre chose à faire. Ma mission m'attend à 144 mètres. Je devrais m'occuper de ce point de contrôle. Oh, j'ai pas fait attention. Il est de retour déjà à l'avion. Ah non, il n'a pas fait assez de bruit. Ah non, je suis caché. Non, mes fesses ne sont pas cachées. Mes fesses n'étaient pas cachées. Tant pis. Oh, l'autre arrive derrière. Pas grave, on se tire de là. C'est un point de contrôle ici. Bonjour, point de contrôle. Enfin, j'essaye de faire des petits pièges, poser des mines et tout ça. Par exemple, avec ce mec là. Tiens. On va expérimenter. Non, une mine anti-char, peut-être pas. C'est là. Affiche entrée. Oh, il y a un mec qui était juste là. Placer la mine. Et voilà. Salut. Salut. Attends, je veux voir l'explosion. Notez qu'on voit les testicules encore. J'en ai eu deux. Ha. Cool. Il y a un mec. Putain, je vais faire le coup du caillou. Le coup du caillou, ça marche toujours. Il y a un caillou. Il m'a vu. L'avion, vite. C'est bon. Histoire de couvrir le son de ma balle. Fin d'alerte. Et en plus on est arrivé
à destination. C'est cool. On ne perd pas de temps. Il y a un mec juste là. J'ai envie de faire un truc. Salut. Ça va? C'est pas moi qui ai fait ça. Oh oh. Là, c'était pas très malin. Qui c'est qui a mis une barrière là? Je peux pas sauter. Non. Oh, couverture grillée. Tapis, c'est pas grave. Il y a beaucoup de monde même. Il y a un gars juste là, si je peux. Ah, il est en alerte. Sauf que le pauvre... Il regarde. Au mauvais endroit. Attaque furtive. Ouais, le didacticiel, mais je connais déjà. On va le lire quand même. La musique s'est... La musique s'était calmée. Mais la musique est repartie. Ouais, j'oublie qu'on peut courir en étant accroupi. Il m'a repéré. Ah! Il est mort. Je vous assure qu'il est mort. Wouh! Allez, venez. Suivant. J'ai pas de temps à perdre. Il est pas mort. L'avion est là. Maintenant. On va éliminer tous les ennemis de la zone. Enfin, y a un mec dans le coin. Ouh, vous êtes nombreux, vous. Adieu, mec. Oh, bougez pas, vous êtes parfait comme ça. Bon, attendez-vous, je reviens. Je m'occupe d'abord de ceux qui sont à côté de moi. Ensuite, j'arrive pour vous. Ah, c'est juste blessé. Je l'ai juste... Je lui ai juste mis 2 balles dans l'épaule. Je comprends pas. Et je crois qu'il en reste un et on va pouvoir récupérer les documents. Il y a un truc à péter. Je crois qu'il est bloqué. Il était bloqué. Et là, il n'y avait pas. Ah, il y avait un truc que je pouvais faire tomber sur des ennemis, ça aurait pu être cool. Ouais. Bon, on va ramasser ce qu'on peut ramasser. Donnez-moi des trucs. Ah, une autre caméra. Je crois qu'il a oublié de sauvegarder. Bon, c'est pas les ennemis qui me tuent, mais je me tue moi-même. Bon, ça va, ils sont sympas, ça, sauvegarder juste là. On va s'approcher, lentement. Ah, il y en a un autre là-bas, je vais le marquer. Comme ça. On sera tranquille pour essayer de faire un truc discrètement pour tuer le prochain mec. Faites vos rêves. En plus, direct dans le buisson, pas besoin de le déplacer. C'est parfait. Alors, je mets le point, même si on sait où c'est. J'ai peur qu'ils me surprennent de face là ce que je vais faire. Je vais peut-être me faire un peu mal. Et on va faire une approche par la droite. Et si je peux en marquer un maximum. Il y a un truc que je peux faire péter, il y a un mec qui vient de rentrer. Un truc que je peux faire exploser. Ça me rend très dans le point. On a été légèrement détecté. Alors c'est pas mon message. Oh, oh non, l'autre il se pose des questions. Je me pose des questions. Ils se posent tous des questions. Ils se posent tous. Non, rien, rien. Non. La sensibilité qui est pas la bonne. Ok. Je voulais faire un truc discret. J'ai tout foiré. Oh, punaise. Je suis plus là. Regardez. Vu qu'ils pensent que je suis encore dans le bâtiment, on va le contourner. Et on va. Non, rien. Reviens. Il dit la même chose en fait. Il doit faire une vidéo également de son côté.
Je vais le contourner. Fin du message. Voilà, fin du message. Bah, c'était voilà pas trop, qui va me servir. C'est pas trop ça, mais il est mort. Le principal est fait. On a un petit mec là. Il va y avoir son pote juste. La villa. La villa. C'est peut-être même pas la peine que je m'en occupe. On va aller directement en haut. Là, ils sont trop nombreux, on va essayer de passer plus par là. Bon, comment je vais faire là? Quel est le plan? Il n'y a pas un moyen que je passe par-dessus le mur quelque part. Il va y avoir une autre entrée. Ah, peut-être par là-bas, on voit les marches. Mais du coup, ça impliquerait que je passe devant tous ces ennemis. Bon, c'est quoi le mieux? Que je passe par cette entrée? Il y a, semblerait-il, pas mal. Maintenant! De monde! Ou alors par l'autre côté. Mais maintenant, la question ne se pose plus parce que je suis rentré. Bon, il y a un mec là. Ah mais ils font demi-tour tellement rapidement, vous avez vu ça? Vite. Oh oh oh. Non non, je suis derrière le pylône, tu me vois pas. Non non non. Oh. On joue à cache-cache. Je ne dois pas faire patienter la vedette. Ouais mais t'es malin toi. Attends, attends, vite, dépêche-toi parce que je vais être devant l'autre mec. Ça c'est fait. Il y en a un dans le bâtiment. Heureusement que je suis en difficulté normale. Vite pendant qu'il y a encore l'avion. Vite pendant que. Mince, il n'y a plus l'avion. Oh! Oh. Au revoir. Il y a tout le monde qui est en train d'arriver. Ils savent pas où je suis, mais ils sont alertés. On va se cacher dans les buis. En plus, ça sent bon. Le buis. Est-ce qu'on fait le coup du caillou encore? Un caillou? T'as pas de chance, mon gars. Il y a un gars qui est en train de me voir. Il y a l'avion. Il est où l'autre qui est en train de me... Ah, il est juste là. Par contre, l'avion vient de passer. Il va trouver le corps de son pote. Ah, il m'a vu, sérieux? Non. Non, je t'ai caché. Waouh. Waouh. Je t'ai caché par le pylône. La tentative d'y jouer de façon furtive a échoué lamentablement. Ils sont en train de me rechercher. Non, je suis pas là. Vite, vite, profitons de l'avion. Profitons de l'avion. C'est le général! C'était le général! Il est mort! Il faut que je le fouille. Je ne vois plus rien. Ah, j'ai le son qui bug quand je tire. Ah non. À moi le coffre. Non, j'ai dit à moi le coffre. Oh! Tiens, on va aller changer. Faire le pistolet que j'ai du coup. Et voilà mon nouveau joujou. Par contre, j'ai pas de silencieux dessus. Personne ne traite mon fils de lopette. Il fait très froid ici. Et ton père est un nouveau mal en point. Bon bah, il faut que je me tire de là maintenant. Où je dois partir? Ah, ça, c'est les endroits. Fuyez l'île. On va fuir l'île ensemble. Ouais, 215 mètres. Si je peux croiser les petits mecs qui étaient là. Histoire qu'on se
défoule encore un peu davantage. Là, je peux pas utiliser mon... Cette lettre mentionne un certain Kessler. Ce nom me dit quelque chose. Là, je pouvais pas utiliser mon aptitude pour couper ma respiration parce que vu que je courais, ben, je n'avais plus de souffle. Donc c'est important d'utiliser son souffle de la bonne manière. Attends, vas-y, viens à moi. Viens à moi, on va jouer un jeu, toi et moi. Je fais diversion. C'est le moment. Prends le noob. Oh, je peux plus rien pour toi, mec, à ce niveau-là. Oh, il est pas mort. Mais attends. Waouh. Ah. Oh, mais non. Caché. Ah, oh, je l'ai eu. L'autre, il est toujours caché derrière son truc. J'arrive. On va t'aider, t'as l'air mal en point, mon bonhomme. Il avait l'air un peu paumé. Oh. Et ding. Oh, vous avez vu ça, l'esquive qu'il a fait? Ce mec est trop balèze. Il évite les... Ah, je t'ai pas demandé de sauter, mais ok. Ça, si tu veux y aller, on y va. Là, je peux plus sauter. Non. Ah, mais non. Bon, on devrait être tranquille maintenant pour pouvoir quitter l'île. J'espère qu'il n'y a pas des points en plus lorsque t'es discret. Parce que là, je pense que j'ai un peu tout gâché. Mais d'un côté, je trouve ça... J'adore jouer en mode discret, mais j'aime aussi beaucoup utiliser le sniper et tirer sur tout ce qui bouge. Voilà. Allez, plus vite comme ça. Et on va se tirer de là. Une bonne fois pour toutes. Ça fait peut-être un peu haut. Oh, je vais mourir. Je vais utiliser un kit de soins. Et adieu la petite île. Ce bateau me permettra de quitter l'île. De choses à regarder. Et je regarderai ça une prochaine fois. Et voilà, on voit mes statistiques. Le début de la fin, j'ai eu en succès. J'espère que ça vous aura plu. Je ferai pas un let's play dessus. Parce que déjà, on l'a pas commencé depuis le début, vous avez même pas vu la cinématique d'introduction avec un bateau qui se fait exploser. Et comme c'est écrit, ils ont un missile radio-guidé. Mais je pense que je ferai quelques vidéos dessus, peut-être même avec Saucisse. Quelques missions qui semblent jolies ou qui peuvent être intéressantes. Je ferai quelques vidéos dessus. Donc, merci à tous et à bientôt tout le monde. Ciao !